Sam et Tom, c'est aujourd'hui le jour J. Ils se sont levés tôt et ont préparé leur plan d'action jusque dans les moindres détails. Objectif numéro 1, surprendre Sam, leur voisin, sur le chemin de l'école. Ça y est, le voilà. Il est bien au rendez-vous avec son sac mystérieux sous le bras. Quel secret de polichinelle! Je lui ai pourtant déjà dit et redit que son soi-disant sac mystérieux contient les cartons pour boissons que sa famille accumule en un mois. Mais où va-t-il? Que peut-il bien faire avec tous ces emballages? Suivons-le. Tim, Tam et Tom découvrent avec étonnement que Sam, leur voisin, se rend en réalité dans le parc à conteneurs de sa commune. Une fois par mois, il vient vider le contenu de son sac dans le conteneur spécial prévu à cet effet. Il dépose ensuite le sac dans le conteneur à papier avant de poursuivre son chemin. Arrivé à l'école de Sam, Tim, Tam et Tom sont surpris par l'arrivée d'un camion. Il porte l'inscription « School Milk ». Que transporte-t-il? Que fait-il là? Attention, le chauffeur arrive! Mais voilà comment notre voisin a pris d'aussi bonnes habitudes. Son école aussi organise une collecte sélective. Mais cela ne me dit toujours pas où ce camion transporte les cartons pour boissons vides. Tim, Tam et Tom ont décidé de suivre à la lettre le plan d'action qu'ils ont élaboré. Objectif suivant, connaître la destination du camion. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tim se cache dans le camion. Dès qu'il trouve quelque chose, il joue quelques notes de son instrument magique pour que Tam et Tom le rejoignent. Vite! Il n'y a pas une seconde à perdre, le chauffeur est déjà de retour. Premier épisode des aventures de Tim, Tam et Tom, nous avons découvert le secret de fabrication des cartons pour boissons. C'est ainsi que nous savons qu'il faut du bois, de la bauxite et du pétrole pour produire les trois matériaux qui forment ces emballages, c'est-à-dire le carton, l'aluminium et le polyéthylène. Les cartons pour boissons offrent vraiment des avantages extraordinaires. Ils conservent de manière optimale les vitamines et la qualité des jus de fruits et du lait. Ils protègent d'une façon tout à fait saine les aliments de l'air et de la lumière. De plus, ils permettent un traitement à chaud UHT. Ils sont fiables, légers, faciles à empiler, incassables, pratiques. Ils nécessitent peu de matières premières et donnent donc peu de déchets. Et ils sont recyclables. Découvrons aujourd'hui Tim, Tam et Tom dans de nouvelles aventures. Tim est toujours caché dans le camion School Milk. Que va-t-il découvrir? Arrivé à destination, Tim se retrouve au milieu d'une montagne de cartons pour boissons. Cette découverte est extraordinaire. Il décide d'appeler les deux autres. Hey, Tim! Hi! Hi!
Regarde, Tim, nous avons décidé de filmer toutes nos découvertes avec cette petite caméra. Nous pouvons ensuite montrer ces images à notre classe. Commençons par filmer le chemin que parcourent ces cartons pour boissons. Tom filme l'ensemble du processus depuis les cartons pour boissons qui tombent dans la presse jusqu'aux balles qui en ressortent. Vous avez vu le nombre de balles? C'est presque incroyable! Chacune d'elles pèse 500 kg et contient environ 20 000 emballages. Suivons-les de près. Je suis sûre que si on les a ainsi comprimés, c'est pour qu'ils prennent encore moins de place dans le transport vers une nouvelle destination. Tom décide, pour continuer son reportage, de se glisser entre les balles et d'appeler les autres dès qu'il aura découvert comment les cartons pour boissons poursuivent leur chemin. Caché à l'arrière du camion, Tom arrive dans une usine de papier près d'Aix-la-Chapelle. Cette entreprise recycle de grandes quantités de cartons pour boissons. Tom continue son film. Comme convenu, il appelle ses amis. Nous savons à présent que les collectes sélectives sont déjà en place dans beaucoup de communes et que le recyclage des cartons pour boissons fait partie de tout un système de valorisation. Lorsqu'ils sont recyclés, comme ici, on commence par séparer les couches. Cette opération se déroule dans une gigantesque machine à tambour. Regardez! Tandis que le carton se dirige vers la cuve de pâte à papier, le polyéthylène et l'aluminium apparaissent nettement séparés. Grâce à un four à pyrolyse, les particules de polyéthylène pourront être transformées en gaz et celui-ci pourra être utilisé comme source d'énergie pour le séchage de la pâte à papier. L'aluminium non oxydé, ayant gardé toutes ses qualités, il peut être refondu en de nouveaux produits d'aluminium. Mais retrouvons Tam au poste de commande de la chaîne de fabrication du papier absorbant. L'opérateur m'indique que la qualité du papier est fonction de la qualité de la pulpe. La pulpe vierge est composée de très longues fibres. À chaque recyclage, les fibres raccourcissent et la qualité du papier diminue. Le gros avantage du recyclage des cartons pour boissons est qu'il offre la même longueur de fibres que la pulpe vierge. Bon, il faut que je file retrouver les autres. Tim et Tam découvrent la grande salle de fabrication du papier ménage. Ils veulent rejoindre Tom, mais celui-ci est complètement absorbé par ses prises de vue. Il ne les voit même pas arriver. Qu'à cela ne tienne, Tim et Tam iront explorer une montagne de papier à recycler pendant que Tom nous propose sa vision artistique du travail des rouleaux. Thank you.
Après leur plongeon dans le matelas de papier maison, Tim et Tam ont décidé d'en faire un cerf-volant pour s'amuser. Tam et Tom découvrent ensuite qu'il n'y a pas que dans les usines à papier que l'on recycle des cartons pour boissons. Sur la route de Francfort, la société EVD de Tetra Pak fabrique des planches à partir des cartons pour boissons recyclées. Tom ne veut perdre aucun détail. Il continue à filmer tandis que Tim commente ce qu'il voit. Tim nous raconte que chez EVD, pour recycler les cartons pour boissons, les couches ne sont pas séparées. Les trois composants sont recyclés ensemble et donnent naissance à un nouveau matériau, le tectane. Tam décide de quitter la salle de production. Lorsqu'elle aura trouvé des produits fabriqués en tectane, elle appellera Tim et Tom en jouant quelques notes de pipeau. Imperturbable, Tim poursuit sa démonstration. Après lavage et séchage, les cartons pour boissons sont moulus pour donner des petits confettis. Puis on les dispose sous forme d'un grand matelas qui est mis en sandwich entre deux plaques métalliques. Le tout est ensuite placé dans une presse à chaleur qui comprime le matériau et fait fondre le polyéthylène. Le polyéthylène fondu sert de colle. C'est la naissance du tectane, un panneau de construction révolutionnaire. Recyclable, particulièrement attrayant et polyvalent. Il est imperméable, extrêmement solide et thermoformable, c'est-à-dire qu'il peut prendre la forme souhaitée rien qu'en le chauffant. Soudain, Tim et Tom entendent la flûte de Tam. Il est temps d'aller la rejoindre. Regardez ce que l'on peut réaliser avec ces panneaux. Ils sont d'une solidité remarquable. Avec une fine couche de contreplaqué, on lui donne tous les aspects du bois. C'est vraiment un matériau exceptionnel. Si vous ne possédez pas de baffle construit en tectane, vous ne pouvez pas, comme Tim, apprécier la différence. Et les plus grandes marques s'intéressent au tectane. Ainsi, par exemple, avec ses qualités d'isolant acoustique, il remplace parfaitement les bois nobles d'Amérique du Sud, comme couche intermédiaire des lattes de parquet. De plus, il existe déjà trois assortiments de meubles de bureau en tectane. Tim, Tam et Tom sont de retour dans leur école. Ils ont des images plein la tête. La caméra est là pour en témoigner. Pour leur élocution, ils ont apporté du matériel audiovisuel et des produits fabriqués dans les usines de recyclage. Mais ne les dérangeons pas. Laissons-les capter l'attention de leurs camarades. Thank you.
Je savais que ma classe ne resterait pas insensible à notre exposé. Mais à ce point, je suis vraiment très heureuse de voir qu'ensemble, nous pourrons apporter notre contribution à la collecte sélective et au recyclage. Commençons d'abord par bien vider et aplatir les cartons pour boissons. Parce qu'il va de soi que tout ne se réalisera pas en un jour. Mais, étape par étape, école par école, commune par commune, nous y arriverons. Déjà dans leur école, une collecte sélective est organisée. Mais en plus, c'est accompagné de leurs amis, de leurs professeurs et de leurs parents qu'ils sont reçus par le bourgmestre de leur commune. Ensemble, ils chercheront le moyen de développer les collectes sélectives dans leur commune et de les intensifier. Souhaitons leur bonne chance.